premier de l'histoire. Axel revient ce soir pour une première fois mythique, mythologique presque. Vous avez retrouvé une petite histoire qui fait partie de la grande, le tout premier récit de l'histoire. De tout temps, on s'est raconté des histoires. De Homère qui nous conte les aventures de Achille et Ulysse, à toi qui tente vainement d'expliquer à ton patron pourquoi le dossier de la compta est toujours pas sur son bureau. Les mythos font partie de notre vie. Oubliez un temps la futilité de nos existences. Comme moi, hein, qui me rematte le Roi Lion une fois par semaine depuis maintenant 17 ans. C'est vrai, ça me fait du bien. J'ai le droit, je fais ce que je veux, ok? Mais d'où est-ce que ça nous vient tout ça, hein, ce besoin de se raconter des histoires? Et ben j'ai cherché, j'ai trouvé. En fait, c'est comme les tempêtes de sable ou le terrorisme, ça vient d'Irak. Voilà, ou plus précisément de Mésopotamie. Ah, hein, bah voilà, c'est mieux que vous précisez quand même. On précise. Attention. Au 18e siècle avant Jesus Christ, c'est là qu'on trouve le plus vieux récit épique de l'histoire. J'ai nommé l'épopée de Gilgamesh. Alors, c'est le plus vieux texte de fiction jamais retrouvé. J'ai dû creuser très longtemps pour le trouver, celui-là, hein, je peux vous dire. Ouais. Alors, je vous raconte pas la galère que ça a été de déchiffrer les pattes de mouche, hein, sur les tablettes d'argile vieilles de 3700 ans, rendez-vous compte quand même, c'est un peu plus vieux que Michel Drucker. Oh non. Gilgamesh, donc, une fois traduit, non content d'avoir un blast qui donne envie de le nommer Premier ministre pour l'entendre tout le temps, à longueur de journée, ce nom. C'est vrai. Gilgamesh, il est roi. Il est roi, mais il veut plus. Il veut l'immortalité. Alors, il va partir à l'aventure, hein, pour rencontrer des dieux, des hommes, des sages, pour au final comprendre et accepter que non, il n'est pas Elisabeth II, et donc il finira par mourir. Il n'y a pas de souci, voilà. Et je trouve ça quand même beau que du premier récit de l'histoire, il y a 3700 ans, au chef-d'œuvre de Disney de 1994, et la morale ne change pas. Hein, face à la mort, au défi qui se dresse face à un roi, un seul mot d'ordre, bah, Hakuna Matata. Wow. Et si vous voulez découvrir le plus vieux récit du monde, mieux vaut tard que jamais, hein, plus besoin de commander les tablettes d'argile. Le texte est disponible en PDF directement sur Internet. Time break, baby.